Trouver une place dans une crèche municipale, c'est le casse-tête de beaucoup de parents. Et très souvent, c'est tout simplement impossible par manque de place. Heureusement, de nouvelles formules voient le jour. C'est le cas de cette crèche d'entreprise située rue de Belfort à Angers. Elle vient d'ouvrir, c'est une première dans la région. Le principe, c'est l'employeur et non pas les parents qui contactent directement la crèche pour réserver des places. Cathy est salariée à la Caisse nationale de prévoyance, une entreprise qui emploie 400 personnes sur Angers, majoritairement des femmes. C'est une très très bonne initiative et qu'on attendait depuis assez longtemps, puisque bon, moi je suis maman depuis 16 mois, donc je n'avais pas fait de démarche avant, sachant que mon entreprise avait déjà lancé l'idée depuis un certain nombre d'années, ça ne s'était jamais fait. Donc là, bah, ça y est, c'est enfin abouti, je trouve que c'est une très très bonne nouvelle, et puis bon... Moi, ça m'enlève une grosse épine du pied, hein, parce que sachant qu'il n'y a pas de place en crèche. L'autre avantage, c'est la proximité de la crèche, située à deux pas de l'entreprise. Si jamais ils ont besoin, ils peuvent venir à tout moment. S'ils ont fini le travail plus tôt, ben voilà, et qu'ils ont envie d'aller faire les courses avec leur enfant, ben ils passent le prendre à la crèche, ils peuvent aller faire un petit tour avant de rentrer. Enfin, voilà, c'est vraiment très intéressant. Pour Sandrine, c'est du stress en moins. La journée, elle peut se concentrer sur son travail. Si la maman est bien, la salariée est bien, donc il s'y retrouve. Une maman qui s'inquiète pour son enfant ou si la garde est difficile, il y a des trajets, il y a, bah forcément on n'est pas optimal au niveau de notre journée de travail. Tandis que là, au moins, une fois qu'elle est confiée le matin, voilà, on est parti pour notre journée de travail, on sait qu'ils sont bien. Des parents et des enfants heureux. La formule de la crèche privée séduit de plus en plus d'entreprises. En France, une soixantaine de structures existent déjà.